Ouais, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Il est l'heure, les amis, de faire le bilan hein, de cette saison qui s'est achevée le week-end dernier, cette saison de Ligue 1 Uber Eats, qui s'est donc, oui, achevée le week-end dernier, cette 38e et dernière journée, ce dernier match de la saison au Parc des Princes pour nos Parisiens. Et cette victoire assez large, cette correction 5-0 contre Metz qui file en Ligue 2. Les Messins en Ligue 2, bon courage à vous. Donc, oui, un bon match dans son ensemble hein, pour la dernière de la saison, avec, comme je l'ai dit, un score large, un score assez sévère, un 5-0, triplé de Mbappé, but de Neymar et but d'André Di Maria. C'était ouais, son dernier but au Parc des Princes, son dernier but sous les couleurs parisiennes, puisqu'André Di Maria et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Le club a préféré se séparer de Di Maria et ne pas le prolonger. Ce qui, en soi, pour moi, n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Même si son dernier match, surtout quand il a marqué, ça m'a vraiment touché. Honnêtement, ça m'a touché. Et à la fin du match, les adieux de Di Maria devant le Parc des Princes. C'était émouvant, honnêtement, c'était émouvant et j'en ai eu, hein, sans vous mentir, en étant transparent, j'en ai eu des larmes aux yeux. Honnêtement, j'en ai eu des larmes aux yeux car même si pour moi, je pense que c'était le moment de dire merci et au revoir à Di Maria, comme on le dit souvent, c'était le moment de tourner la page, hein, comme on l'avait fait auparavant avec des joueurs comme Zlatan, Maxwell, Mota ou plus récemment Silva et Cavani. Au bout d'un moment, il faut dire merci et au revoir. Et je pense que c'était le bon moment pour André Di Maria. Personnellement, j'en retiendrai que du positif, même si en 7 ans, hein, il a passé 7 années au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, il est arrivé en 2015 et s'est donc arrêté en 2022. 7 ans au Paris Saint-Germain, 7 ans de professionnalisme, 7 ans où il a contribué à faire grandir le club. André Di Maria a écrit son histoire, a écrit un bout de son histoire avec le Paris Saint-Germain, buteur historique du club, 112 passes décisives. André Di Maria, c'est 295 matchs pour 93 buts marqués. Un joueur qui, pour moi, s'est toujours bien comporté sur le terrain. Même si cette dernière année-là a été assez compliquée, a été assez difficile pour lui. Lui qui était pratiquement depuis qu'il est arrivé un titulaire indiscutable. Et là, cette saison, il avait plus ses places de titulaire. Après, ça peut se comprendre. Quand offensivement, tu as un Neymar, un Mbappé et un Messi, bah, c'est dur de faire sa place, on va pas se mentir. Donc, il a été sur le banc. Il a passé pas mal de temps sur le banc et n'a pas rechigné. André Di Maria, qui pour moi, s'est toujours bien comporté, même extra-sportivement. En sept années, les amis, j'ai pas le souvenir d'un faux pas d'André Di Maria extra sportivement. Hein, comme des fois on peut entendre par rapport à Neymar, par rapport à des Herrera cette saison, par rapport à des Icardi, ces histoires de fesses avec Wanda. Tu vois, toujours des dérapages extra sportivement. André Di Maria, en 7 années, les amis, en 7 saisons chez nous, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu un dérapage. Donc André Lito, tes passes décisives, tes petits buts avec hein, ce que tu aimais faire, ton petit ballon piqué quand tu te présentes devant le gardien, ton coup franc, c'est certainement pour moi l'un des buts les plus marquants. Ce but qui m'a fait soulever de mon canapé, je me rappelle encore comme si c'était hier. Ce but contre le Barça au Parc des Princes, ce coup franc pour ce score 4-0 au match aller, exceptionnel. Mais il y en a d'autres, des buts, il y en a d'autres, hein, ce corner rentrant, hein, tu aimais tellement tenter ta chance sur les corners rentrants, tu aimais ça. Cette célébration-là, hein, bon, moi je le fais mal, mais cette célébration-là qu'il aimait tant faire, hein, ce petit cœur. André Di Maria, c'est un joueur, alors certes, certains vont lui reprocher qu'il ne parlait pas français. En soi, pour moi, c'est qu'un détail. Mais un joueur qui a aimé le Paris Saint-Germain, et j'en suis sûr, un joueur qui continuera à aimer le Paris Saint-Germain, et un joueur
qui a toujours pour moi respecté le maillot, respecté nos couleurs et nous respecter, nous, supporters. Donc, André Lito, merci. Un merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir apporté ta pierre à l'édifice pour continuer à faire grandir le Paris Saint-Germain. Donc, ça me tenait à cœur de parler de Di Maria, les amis. Donc, le bilan de cette saison, les amis, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, même si je pense qu'on est tous plus ou moins unanimes pour dire que bah, ça n'a pas été une saison flamboyante, ça n'a pas été une saison extraordinaire sur le plan sportif, sur le terrain. Quand tu te replonges un peu en arrière, quand tu te replonges à l'été dernier, ce mercato flamboyant, ce mercato XXL, ce mercato qui nous en a mis plein les yeux, les Donnarumma, les Ramos, Messi, Wijnaldum, Nuno Mendes, Hakimi, tu te dis là, ce recrutement, on va bâtir une équipe pour la scène européenne. Premier match de la saison officielle contre Lille, trophée des champions, à Tel Aviv, on perd. Le premier match officiel de la saison, on le perd. Déjà, ça commence mal. Même si pour certains, le trophée des champions, ce n'est rien. Ils mettent ce trophée de côté. Pas pour moi. Moi, il n'y a aucune compétition que je mets de côté et que je botte en touche. Aucune. Ensuite, il y a eu aussi ce mauvais parcours en Coupe de France, où on sort très très tôt. Nous qui sommes habitués à remporter ce trophée. Le Paris Saint-Germain, pour petit rappel, c'est le club le plus titré en Coupe de France, mais pas que. Même en Trophée des Champions, championnat, maintenant on a gagné la Saint-Etienne, enfin bref. Coupe de France, on sort en 8e, les amis, contre l'OGC Nice. 0-0 dans le temps réglementaire, on échoue au tir au but. 5 buts à 6. Et le pire dans tout ça, c'est le parcours européen. Déjà qu'on n'a pas vraiment brillé dans les phases de poule, on s'en sort en finissant 2e. Et on tombe contre un Real Madrid qu'on pouvait qualifier de malade. Et au final, après un bon match aller, hein, c'est un grand mot aussi, puisque on a eu vraiment beaucoup d'occasions au match aller et on n'a pas su vraiment les concrétiser. C'est Mbappé qui nous sauve et qui met ce but du 1-0 en toute fin de jeu. Mais quand même, sur le match aller, sur les demi-temps, on a plus ou moins dominé notre adversaire. Le match retour, c'est pareil. Sur les 4 mi-temps, pendant 3 mi-temps, tu domines ton adversaire. Plus ou moins, tu le domines, tu arrives à t'en sortir. Et on s'écroule. Et on s'écroule en 15 minutes. Et aucun joueur de notre effectif n'a su relever la tête. Sur le but de Benzema, une erreur de Donnarumma, certains viendront dire, hein, on peut en débattre, qu'il y avait faute sur Donnarumma, enfin bref. Au bout d'un moment, les frérots, le foot, c'est un sport de contact aussi. Mais quand Benzema égalise, t'es toujours qualifié. Quand Benzema met le deuxième but pour le Real, tu vas en prolongation. Donc tu vois, t'es toujours en course pour accéder au quart de finale. Nos joueurs se sont totalement effondrés. Mentalement écroulés. Mais ça, on a l'habitude. Mentalement, on est faible. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est pas une surprise. Pourtant, je pensais que c'était passé, moi. Avec le Final 8, cette finale contre le Bayern, la saison d'après, là, cette élimination, certes, en demi-finale contre City, mais au moins, t'es dans le dernier carré. Donc, je me disais, c'est bon, ça va mieux. Mentalement, on est mieux. Et là, on retombe dans nos travers, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait mal. De sortir comme ça, aussitôt que ça, dans cette compétition, de cette manière. Encore une fois, on peut perdre. C'est pas ça le problème. Mais il y a une façon, il y a une manière de perdre. Donc, globalement, la saison, elle est pas bonne, les amis. Hein, même si, oui, il y a ce 10e titre, ce 10e sacre. Quel bonheur! Quel bonheur d'être champion de France pour la 10e fois de notre histoire. On égale la AS Saint-Etienne, et ça, croyez-moi, les amis, ce n'est pas négligeable.
Alors on finit premier avec 86 points, 26 victoires, 8 matchs nuls, 4 défaites, 90 buts marqués, 36 buts encaissés. Donc meilleure attaque du championnat et co-meilleure défense avec l'OGC Nice cette saison. Donc sur au niveau, j'allais dire sur la scène nationale, mais non, parce que sur la scène nationale, tu as 3 trophées à les remporter, tu n'en remportes qu'un seul. Donc c'est plutôt un bilan assez négatif. Mais au niveau de la Liga, on est bien. Même si cette saison, j'ai pas vu un match qui m'a marqué en Ligue 1. Trop souvent, on s'est imposé dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu. Ce petit but supplémentaire qui te donne les 3 points. Trop souvent, cette saison, on a égalisé hein, pour nous sauver d'une défaite dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, sur un petit coup de génie. Tu vois, des matchs un peu brouillons, des matchs qui se sont un petit peu, tu vois, ressemblés les uns les autres. Mais au bout du compte, on est champion de France pour la 10e fois. Heureusement qu'il y a ce 10e titre. Hein. Heureusement, les amis. Heureusement. Donc, globalement, si on fait un bilan sur... J'ai déjà dit, je me répète. Hein. Mais globalement, si tu prends la saison tout entière, sur 4 compétitions, sur 4 potentiels trophées à aller chercher... Tu n'en obtiens qu'un seul. Et encore une fois, avec l'effectif du Paris Saint-Germain cette saison, avec le mercato de l'été dernier, c'est insuffisant. Insuffisant, les amis. Alors, il y a eu une fin de saison, donc après ce match contre le Real, une fin de saison où les ultras, les supporters, une grande majorité de supporters du Paris Saint-Germain, ultra ou pas, ont exprimé leur colère. Au bout d'un moment, quand on est supporter, j'ai envie de te dire, certes, c'est dans les bons moments, c'est aussi dans les mauvais moments, mais un supporter est aussi dans son droit de pousser un coup de gueule. Tu vois, être supporter, c'est pas que... tu vois, c'est pas le monde des bisounours d'être supporter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à en écouter certains, t'as pas le droit de pousser un coup de gueule. T'as pas le droit d'être en colère en tant que supporter. Non, les gars, un supporter a le droit d'être en colère. Quand les choses ne vont pas. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être en colère, les amis? Pour moi, c'est justifiable. Faut savoir aussi taper du poing sur la table au bout d'un moment. Depuis combien d'années ça dure tout ce cirque? Depuis combien d'années on a l'impression d'assister à la même chose en compétition européenne? Ça fait combien de fois qu'on sort comme ça, les amis? Combien de fois? Combien de fois qu'on sort en se chiant dessus? Combien de fois? Là, au bout d'un moment, il faut dire stop. Au bout d'un moment, il y a un changement. Il faut du changement. C'est ce que nous supporters, on réclame depuis cette sortie en 8e du changement. Et on est dans notre droit, que ça plaise ou non. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais un coup de gueule, une colère qui a fait bouger les choses. On l'a vu. Certes, on a eu des joueurs mécontents, mais pour moi, ça a fait bouger les choses. C'est en train de faire bouger les choses. Puisqu'en cette fin de saison, il y a ce feuilleton qui nous a tellement pris. Ce feuilleton-là, hein, qui a duré... Des mois, des semaines et des semaines. Rappelez-vous, un Mbappé, il y a un an de ça, qui voulait partir au Real. Au final, il est resté. Il a fait une très très belle saison. Parce que croyez-moi, j'en mettrai ma main à couper. Hein, que si Mbappé n'aurait pas fait cette saison au Paris Saint-Germain, on ne finit pas champion de France. Meilleur buteur du championnat, meilleur passeur. Le doublé pour Mbappé. Donc Dieu merci, il est resté chez nous. Et là, tu vois, pendant ouais, des mois et des semaines, on a été tenu par ce feuilleton digne d'une série Netflix qui s'est arrêtée le week-end dernier, juste avant le coup d'envoi contre Metz. Mbappé qui annonce sa prolongation. Mbappé qui annonce « Je continue avec le Paris Saint-Germain ». Mbappé qui croit à ce projet du Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle.
Et tu sais quoi, honnêtement, frérot, peut-être que tu vas me prendre pour un fou. Mais cette prolongation, là, ce nouveau contrat, cette conservation de Mbappé, je te jure, frérot, que moi, je l'ai pris comme une victoire. Je l'ai pris comme un trophée. Le deuxième trophée de la saison. Hein. Il faut bien qu'on se console un petit peu, frérot, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, c'est. Alors, j'étais plus ou moins au courant de cette prolongation. Voilà. J'étais plus ou moins au courant que ça allait se faire. J'étais confiant et je n'ai cessé de le dire à travers mes stories, Snap, Instagram. Certains d'entre vous peuvent en témoigner. Je n'ai jamais douté sur la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, alors que tout le monde, tous les journalistes l'envoyaient au Real Madrid. Bref, il est resté chez nous. Donc merci. Hein, merci à l'émir. Merci à la direction parisienne. Merci à Nasser. Merci à Kylian. Hein, faut être reconnaissant, faut pas être ingrat. Il y a eu le départ de Leonardo, puisque je pense que tout le monde est au courant, il y avait vraiment des petits problèmes en interne dans le club avec Leonardo. Donc tu vois, il y a des choses qui commencent à bouger. Donc le coup de colère des supporters, la grève des ultras, a fait bouger les choses. Croyez-moi, les amis, faut un petit peu écouter les supporters. Hein, sans supporters, il n'y a pas de club. Honnêtement, sans nous, il n'y a pas de club. Donc les supporters ont un rôle important dans un club de foot. Et là, bah, les feuilletons, les séries se poursuivent. Hein, on entend des noms, un nouvel entraîneur qui devrait arriver au Paris Saint-Germain. Ça parle de Zizou, ça parle de Zidane, notre Zidane national, le Zizou national. Ça part d'une probable arrivée de Pogba, Dembélé, Tchouaméni, Koundé, hein, des noms français, des joueurs internationaux en équipe de France, puisque c'est ce que Nasser a laissé sous-entendre lors de la conférence de presse, rappelez-vous, avec Kylian. Il aimerait un petit peu plus franciser le Paris Saint-Germain, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Donc on verra, les amis. On verra, mais soyons confiants. Et pour terminer, parce que ça fait quand même 17 minutes maintenant que je suis sur cette vidéo et ça fait un petit peu long, pour terminer, il y a eu là il y a quelques jours une déclaration de Laporta, une déclaration vraiment honteuse, où grosso modo Laporta dit que les joueurs qui viennent, je ne sais plus trop comment il s'est exprimé. Attendez, je vais le retrouver pour pas vous dire de conneries. Je vais le retrouver, j'ai ma tablette. Je vais vous retrouver ça, les amis, excusez-moi. Mais je vais reprendre mot pour mot ce que Laporta a dit. Hein, une déclaration vraiment honteuse, surtout venant d'une personne comme lui, hein, qui n'est pas toute blanche. Hein. Alors attendez, on va retrouver ça, les amis. Je vais aller sur mon compte Twitter. J'espère juste que la vidéo ne va pas couper, comme ça peut m'arriver des fois. Alors que je retrouve ça, Laporta, les déclarations de Laporta. Alors, c'est où? Voilà. Alors, il y a 2 jours, donc après hein, ce feuilleton Mbappé, Laporta, donc, qui s'exprime et qui dit, les joueurs qui signent des contrats à long terme pour le PSG acceptent essentiellement de devenir des esclaves pour de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une déclaration honteuse, puisque j'en suis sûr, les amis, hein, et j'en mettrai aussi ma main à couper, hein, que si le Paris Saint-Germain était tenu par des Européens ou bien par des Américains, jamais, jamais Laporta aurait tenu ce genre de propos. Mais là, comme c'est le Qatar, un pays de la péninsule arabique, un pays musulman, hein, n'ayons pas peur de le dire, on n'est pas là pour mâcher nos mots. Eh bien, monsieur Laporta, hein, il a la langue bien pendue, hein, pour cracher sur le Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas le seul. Là encore, c'est un Espagnol, c'est un étranger qui crache sa haine, qui crache son venin sur nous, ce n'est pas un problème. Mais au sein même de notre pays, tu as des gens qui pensent exactement la même chose que lui. Alors oui, ça fait des années que le Paris Saint-Germain n'est pas aimé en France. On avait l'habitude,
dans le monde entier, on commence à avoir l'habitude que Nasser ou même que l'émir ne s'exprime pas, ne prenne pas la parole, car on sait que les Qataris ont une image à tenir. C'est à nous, les amis. C'est à nous, en tant que supporters. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a toujours été là. Dans les bons, dans les mauvais moments, dans les moments joyeux, dans les moments de tristesse. On a pleuré pour ce club, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse. On a fait des trucs de fou pour ce club, en tant que supporters. Donc, c'est à nous, c'est notre devoir de monter au créneau pour défendre notre club. Aujourd'hui, on a un outil, c'est les réseaux sociaux. C'est un outil, alors parfois qui est très mal utilisé, j'en suis conscient. Mais un outil qui peut faire bouger les choses. On a tous là, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, on a tous une chaîne YouTube, on a tous Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, on a plein de réseaux sociaux, on est partout. Et on a la chance d'avoir une forte communauté rouge et bleu, les amis. Donc c'est à nous. On doit se mobiliser, on doit monter au créneau pour défendre notre club contre ces gens-là qui passent leur temps à cracher leur venin, leur haine sur le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je pense que je vais finir sur ça. C'était le petit coup de gueule de la fin. Je me suis un petit peu emporté. Hein. Mais voilà, la saison s'est achevée les amis. Et d'un sens, tant mieux parce que globalement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas vraiment une saison extraordinaire. On s'attendait vraiment à mieux. On avait vraiment des attentes sur ce collectif. Et force est de reconnaître que ça n'a jamais pris. Alors, cette saison, je n'ai pas vu de fond de jeu. Voilà. Le seul match où je me suis régalé, frérot, et vous dites-moi en commentaire le match dans lequel vous vous êtes régalé, hein, c'est le match aller contre le Real au Parc des Princes où on gagne 1-0, frérot. C'est le seul match où j'ai vibré. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et rendez-vous sur mon Snap, rendez-vous sur mon Instagram, rendez-vous aussi sur mon compte Twitter, hein. Je suis pas mal sur Twitter parce que depuis un petit moment, il y a des spaces qui s'organisent. J'ai une pensée aussi pour Média Parisien, je pense que vous connaissez maintenant, qui fait un excellent travail, un travail de qualité, notamment avec Sabri, un Sabri qui nous donne des petites infos succulentes. Donc non, vraiment, on se régale. Hein, donc voilà, suivez-moi, hein, je vous mets ça en description de la vidéo, dans l'espace commentaire, un truc comme ça. Je vous mets mon Snap, mon Insta, mon compte Twitter pour que l'on continue à parler du Paris Saint-Germain. Et puis, on se donne rendez-vous début de saison prochaine. Ciao la team.